Salut les amis, on est lundi, on est le 24 janvier. Et là, il est 2h30, on part du dépôt. Pour le 44, je vais vider à Rézé. Voilà. Je vais vider à Rézé. Là, je viens de faire le tour de mon camion. Il vient de mettre des pneus neufs sur le jumelage. Et là, donc direction le gasoil, il y a Franck qui vient de partir. Il y a Franck qui vient de partir et puis ben, on va aller mettre du gasoil et après on est parti. On est parti à notre tour. Je partais sans carte hein, les gars, c'est pas bien. Hein. Je croyais l'avoir mise et puis non en fait. Je vois que ça clignote, c'est pas grave hein, pour 2 mètres, ils vont rien dire. Hein. Et donc Franck vient de partir au gasoil et moi je vais mettre du gasoil de l'AD. Gasoil c'est tout. Et ensuite on est parti direction Nantes, Rézé, et apparemment je recharge à Anceny. Donc c'est pas loin, juste à côté. Voilà, voilà. Donc j'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Moi, week-end, quoi, comme d'hab, hein, j'ai bien galéré, j'ai changé mon moteur de portail électrique et je me suis bien enquiquiné la vie, mais bon c'est fait, maintenant on est tranquille. Je veux dire qu'on est reparti pour 25 ans parce que celui qui avait, il avait 25 ans. J'y crois pas trop. Et puis voilà. Putain, mais on est lourd en fait là, c'est vrai. Je ferme le portail. Et go la station. La galère aujourd'hui à la nationale parce que le brouillard qu'il y a là, le brouillard, et en plus je viens de me taper deux convois exceptionnels qui se suivaient, donc bah, tu gagnes pas de temps quoi. C'est la nationale à 60 km/h, fou, et bon c'est comme ça hein. C'est le risque quand tu prends la nationale hein, tu peux tomber derrière des convois exceptionnels, dans les travaux d'aviation. Là, il y a énormément de brouillard. Depuis Digoin, je suis dans le brouillard, 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 tout le temps. Alors, on arrive à Parthenay. J'étais en train de chercher. Une. Et le problème du brouillard, c'est toujours la même chose. Hein. C'est les gens pas allumés dans le brouillard. Hein. Feu diurne. Donc derrière il n'est pas allumé. Je ne sais pas si vous voyez dans le rétro, vous voyez.
Il y en a qui ont vraiment pas peur. Hein. Derrière, il n'est pas allumé. Qu'est-ce qu'il a lui? Le petit fait signe de aller moins vite, vous avez pas vu? On a 40. Aïe aïe aïe. On aura tout vu. Chez ton client, puis en fait on dit oh bah c'est pas là, c'est plus là. Putain, comme d'hab, pas les bonnes adresses quoi. C'est encore nous de se faire chier à aller l'un à l'autre alors qu'il pourrait donner la bonne adresse d'office quoi. Mais non, ça va sortir toi là. Putain, des blocs en béton, mon gars, c'est le portable que tu touches pas. En fait, on stocke plus ici, donc ça stocke chez un autre, et puis on le sait comment, faut venir là, puis on vous le dit, c'est vachement utile, quoi. C'est vachement utile. Là, ça va sûrement encore pas aller. Putain, ça me saoule. Putain, un truc qui va pas, t'as... Pas le bon dépôt quoi. Un truc de ouf hein, quand même. Bon voilà, on en est plus loin mais...
Allez, on est vide. 25 minutes pour vider. Là, on va chercher les papiers en fait. Il y en a qui viennent sur la bascule, mais en fait c'est bien chill, hein. Il s'emmerde pas, hein. Je crois qu'il marche un peu trop. Allez, donc là bah, il est midi et je viens de vider. Et il vient d'arriver un truc peu banal à côté de moi en fait. Le gars qui est en train de vider, le chauffeur, en conteneur là, et il est en train de vider. En fait, c'est son fils qui a appelé, et il vient de perdre sa femme. Bah, je peux vous dire, ça fout un coup. Alors, un mec bah, qui a allez, je sais pas quel âge il a, mais il doit avoir 2-3 ans de plus que moi, pas plus quoi. Alors. Et voilà, encore une fois, bah, quand t'es pas chez toi, là, il est du 60, hein, donc le temps qu'il rentre chez lui, je sais pas comment ça va donner. Là, il est au téléphone avec son patron pour laisser le camion là, qu'un collègue vienne le chercher, je sais pas quoi, enfin bref, ce qui serait tout à fait logique. Mais voilà, encore une fois quoi. Je pense que le trajet du retour va être compliqué pour lui. Donc moi j'ai vidé, là je vais recharger un 11 nid pour Macron. Voilà. Et j'ai du bateau. Des gros bateaux. Le pont de Chevirey. Qui réfléchissent pas deux secondes. Il y a des parkings avant, mais non, non, non. Non, faut se garer là comme une merde. Putain, ça trouve de ouf ça. Sérieux. Ça, je comprends pas, moi, les gens, sans déconner. Tu vois bien que t'emmerdes des gens, sans déconner. Ça pourrait aller bien dans le rond-point si tout le monde mettait son clignotant comme il faut et puis y aller quand c'est à ta d'y aller. Mais... c'est toujours le même problème quoi. Toujours un problème de clignotant. Putain. Et ils savent pas prendre des ronds-points aussi, c'est un truc de ouf. Il doit y avoir peur là.
aller sur son téléphone à gauche là. Les gens auraient pu conduire depuis longtemps, hein. Putain. Les portes. Allez, on est parti. Charger la poudre de lait qui va à Mâcon. En fait, c'est un stockage. Le gars m'expliquait que c'était une ancienne usine de beurre, apparemment. Et puis voilà, direction. Bah, il va rester une heure à rouler. Ah non, il reste plus que ça. Puis bon, on va finir les heures qui restent à rouler. Et puis il faut que je vide demain matin. Demain à 13h, j'ai rendez-vous pour vider. Donc je vais à côté de Mâcon. Ça fait une trotte, hein, mais bon, tu vas le faire. Je vais entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, en fait. Entre les deux. Avant le camion, hein. C'est trop au point, hein, madame, le stop coulé. Hein. Pas vite, vite avant le camion, mais là il va plus. T'sais. Putain, mais c'est incroyable ça. Un clignotant 49, le clignotant. Je mets quand je tourne. Il y a 25 tonnes là.
va aller soit à Villandry, soit à Val-de-Cher. Hein. Une des deux. Okay, Villandry et Val-de-Cher, ils sont à 30 minutes l'une de l'autre. Il fait moins 15, la nuit commence de tomber et tout, je dis c'est bon, fini de laver, t'es avec la frontale, hein, c'est bon. Puis lundi quand t'arrives, il manque des coups de balai comme ça en travers qui restent. Donc je dis bah, je le ferai dans la semaine. Ou si ça je le fais pas, bah, je le ferai vendredi et puis c'est tout. Hein. Il est 4h du matin et on est reparti.
reparti. Des pneus sur la bande blanche. Et on est reparti avec du brouillard quoi. Putain. Allez, coupure faite. Bon, j'ai fait un peu plus de coupure que ce que je voulais. En fait, je suis tombé sur un abonné. Et ça fait plaisir. En fait, je suis tombé dessus quand il a commencé à rouler. Bah voilà, c'est lui qui part avec le Scania. Voilà, c'est lui. Avec son nouvel ensemble. Avoir, donc ça fait plaisir. Et donc en fait, c'est la première fois que je l'ai croisé, il travaillait dans une petite... chez Agenot. Il était chez Agenot, mais ça lui plaisait pas, il cherchait une petite boutique. Voilà. Et là, il vient de toucher son Scania tout neuf. Réalité pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les cinq sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. J'ai mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde l'espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi.
qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche, essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde pour les gars qui marchent au pas. On repart à contresens, notre rêve est pur mais délicat. Comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri ce SOS. À la recherche d'un navire où les vagues seront des caresses. Où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, parce qu'ils disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, parce ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Allez, je vais anticiper les premiers commentaires à mon avis. Parce qu'il y en a plein toujours qui me demandent pourquoi tu passes par cette route là ou par les plus petites routes au lieu de passer par la RCEA. Bah tout simplement, la RCEA en temps de travaux tu roules à 70 normalement. Donc quand il y en a un devant toi, tu roules à 60 et par temps de brouillard, bah tu roules à 45. Et en plus tu prends des risques, donc c'est pour ça que je préfère passer par là. Je ne gagne pas de temps, j'en perds pas, mais au moins ça roule et bah, je gagne pas de temps, si je gagne du temps d'ailleurs, et au moins ça roule et t'as quand même vachement moins de risques sur la RCEA. Parce que par temps de brouillard c'est n'importe quoi, même s'il y a des travaux, il y en a, bah, ceux qui prennent pas la RCEA peuvent pas comprendre, mais même pendant les travaux que c'est interdit de doubler, il y en a quand même qui doublent. Même s'il y a des plots, les mecs ils arrivent à doubler entre les plots. Donc, c'est pour ça que je préfère, puis chez nous on descend tous par là. C'est rare qu'on reprenne Moulin pour reprendre la RCEA, en plus ça fait un détour. Mais c'est surtout éviter les problèmes quoi. Parce que la RCEA, je vous dis, par temps de travaux, c'est un sacré bordel. Travaux plus brouillard, bah t'es tranquille, t'avances plus normalement. Et lui il est pas à gauche mais il est pas à droite. De coupure à faire parce que j'ai fait un quart d'heure tout à l'heure, j'ai bu un café et je me suis arrêté faire mon plein à la station à Moulin, mais c'est une catastrophe. J'ai mis bah déjà, j'ai attendu parce qu'il y avait un autre camion devant moi, donc j'ai attendu presque 20 minutes qu'il fasse ses pleins et moi j'ai mis 15 minutes pour faire un réservoir et la déboule. Quand j'étais pour faire le deuxième réservoir, la pompe était en panne comme ça. Donc à Moulin on évite la station, mais j'avais pas le choix parce que j'étais quasiment à sec. Donc tu perds bien du temps pour rien quoi. Et un mec attendait derrière moi et j'ai la pompe là en rade hein, de toute façon. Donc là il était attendu presque une demi-heure pour plus d'une demi-heure même, pour pas mettre de gasoil, il était content.
Alors moi elle s'est arrêtée et je pensais que c'était arrêté parce qu'elle avait été à 400 litres et non. J'ai refait le code comme d'hab et j'ai voulu relancer et ça n'a rien fait du tout. Et lui, sa carte aussi, ça fait pareil après. Parce que j'ai avancé pour lui laisser la place. Et sa carte a fait pareil. Alors vous voyez, brouillard, pas allumé. Tu mets les pleins phares, le mec, il va pas comprendre. Là, il comprend pas. Non, il s'allume pas. Ah si, ça y est, il s'allume, non. Je comprends pas les gens, ça. Les brouillards, putain, mais... Les mecs qui s'allument pas dans le brouillard, c'est ceux qui roulent la nuit avec des anti-brouillards en plus. C'est ça le pire, c'est bien souvent comme ça. Ils ont pas compris tout à fait l'utilisation des feux de brouillard. Bah déjà les feux de brouillard, déjà les feux tout court. Parce que quand il pleut, quand il fait du brouillard, déjà tu fais. Si tu mets pas les feux de brouillard, d'ailleurs j'ai toujours l'arrière allumé et l'autre derrière rien. Allez, j'arrive au dépôt, je vais boire le café, je vous reprends après. Donc, pure fête, café bu. Là, on est reparti, direction Mâcon. On allume tout, hein, brouillard. Ouais, direction Mâcon, après je recharge dans le 01 pour le 56. Voilou. Parémonial et Mâcon, c'est un bras de la RCA en fait. Ils sont en train de faire des sacrés travaux aussi. Et devant, c'est le Kangoo de la maison Barneau. Barneau, c'est où on va laver, où je vais laver mon camion pour ceux qui ont vu. C'est chez eux qu'il y a le long line noir que j'ai déjà filmé. CB, Christophe Barneau. Mais ça fait un moment qu'ils font des travaux avec le beau ciel bleu de Bourgogne. Mais il y avait énormément des gros ponts quoi, à faire. Donc c'est long quoi. Qu'ils allaient faire une station service, mais en fait, je comprends pas où elle va être faite. Je pensais qu'ils allaient la faire là, mais non, en fait, ils ont juste fait un échangeur. C'est bizarre. Ils parlaient qu'ils allaient faire une grosse station en double sens pour éviter les deux stations un peu plus loin, en fait. Mais il n'y a rien qui se fait, donc je sais pas. Ça va servir plus tard ou je sais pas.
j'ai mal compris sur le journal, peut-être aussi. Hein. Je pensais que c'était là. On va enlever un peu pour que ce soit la même hauteur. Hop, là quand on va enlever le frein de parc, elle va remonter de 5 cm. Donc ça devrait être bon. Mon camion est magnifiquement crade. Allez, on est parti, j'ai vidé et là je vais recharger dans le 01, je suis à 58 km. Est-ce qu'il se fait mal à Conneur ? Qu'est-ce que c'est ce bordel encore ? Voilà, on arrive sur Bourg-en-Bresse en fait. Ah, le contournement de Bourg-en-Bresse. Polia, c'est Biria, c'est... Oh, je sais jamais les noms. On a retrouvé le soleil, ça fait du bien. Là depuis dimanche soir je suis parti, la nuit dimanche à lundi, brouillard. Puis
Là, je suis à 20 km de Montpellier, en gros. On va aller recharger ça. J'espère que la commande va être prête parce que Vincent n'était pas très. J'ai dit ça être prêt, ouais. Et c'est un ouais que je connais un peu. Que... Et il ne sait pas. On verra bien. Là, j'aimerais bien en fait charger et puis redescendre, comme ça je peux couper au dépôt ce soir. J'aurais pu une poêle mes heures. Ça serait pas mal. Et en plus, il va falloir que je refasse encore un complément de gasoil. Vu que tout à l'heure la pompe elle déconnait, là, je me suis enquiquiné à rien. J'ai mis 400 litres d'un côté, après j'ai mis 70 litres à la couper et après hors service. Bon, j'ai pu faire mon AD Blue, mais j'ai pas pu mettre mon gasoil complet. Donc j'espère que je pourrai en. Bah, j'espère. Non, je vais en remettre, ça, c'est pas un problème. Mais du coup, faut que je me arrête dans une station pour remettre du gasoil. Pour pouvoir finir la semaine tranquille. On va de l'autre côté vers l'usine Renault en fait pour recharger en gros quoi, pour vous situer de l'autre côté de Bourg-en-Bresse quoi. Vers l'usine Renault Truck. Allez, on est bientôt, je suis à 5 km de mon client.
un endroit où je ne viens très rarement. Je me souviens être passé, mais alors franchement, j'ai dû passer une fois ici. Bonne usine. Vous voyez où elle est quand même? C'est un truc de fou. Hein. Bon, ça doit se faire. Il l'a fait, mais bon. Alors, il me dit, vous rentrez et quand l'autre part, vous prenez sa place. Donc, on fait ça. Pour être bête et discipliné, on va se mettre là-bas à droite et après, quand il est parti, on prend sa place.
Là, c'est vraiment se faire chier pour rien, hein, sans déconner. C'est encore une bonne boutique, ça. Encore dès qu'il y a envie de réfléchir, là, quand ils ont fait un bâtiment. Bon, ça va, hein, c'est, y a de la place encore, mais pourquoi faire des trucs à contre-main alors que tu peux faire des trucs vachement plus simples, je sais pas, mais non. Il y a tout un tas de plans, là, ce travail, toi. Pour les silos. De ce fameux loquet. Donc faut pas être manchot hein, pour se mettre à quai quand même là. Bon ça se fait, hein, faut y aller tranquille. Puis ça se fait. C'est de pas en accrocher un bout en partant quoi, c'est tout. Ah il y a la cale. Ah, ça va bien. Bon cette fois-ci ça va mieux avancer maintenant que j'ai enlevé la cale. Le problème c'est qu'il faut réussir à braquer pour passer là quoi. Sans accrocher un bout. C'est fin, hein. C'est fin de chez fin. On va aller fermer les portes et je reprends.
parti. Là il est 16h15 et je repars de mon chargement en fait. Hein. Donc là il me reste 2h. Non, il me reste 2h. Oui, il me reste 2h à rouler et je suis à 1h50 du dépôt. Donc je vais aller couper au dépôt comme je vous avais dit. Hein. Mon calcul était pas mauvais. Donc voilà. T'as tous les Renault tout neufs. Avec les roues de secours dessus. Et voilà. Donc je me suis bien à quai là, j'ai fait. Bah, je suis sorti du quai comme vous avez pu le voir. Et après il fallait faire les papiers, mais il faut sortir du quai pour aller faire les papiers. Sortir du quai, sortir de l'usine tellement il y a de place. Pour retourner faire les papiers. Soleil. Et puis voilà. Donc ça va encore faire une bonne journée parce que là j'ai déjà 1266 km et je suis à 150 km du dépôt en gros. Donc ça va encore faire une belle journée. Ça va encore faire une belle journée. Et le soleil à gauche, je peux pas ouvrir le pare-soleil, c'est un peu chiant. Mais voilà. Voilà, il y aura le soleil dans le rétro, c'est pas mieux. Et puis voilà. Allez, on est reparti dans le brouillard encore une fois quoi. Et là on est mardi soir, il est 17h et j'ai pas mis ma vidéo en ligne car YouTube est en train de galérer à mettre ma vidéo en ligne. Donc elle est en ligne depuis hier et en fait je sais pas pourquoi. Il l'a pas traité. Vous savez, vous mettez en ligne, en fait, il traite, il regarde que ça analyse, voir si tu parles pas de trucs qu'il faut pas, ainsi de suite, quoi. Et en fait, il me l'a pas traité, donc je peux même pas la publier. Donc là, je viens de m'arrêter, je viens de regarder, 17h, et elle est toujours pas traitée. Donc maintenant, on va attendre de voir quand est-ce qu'elle va être traitée, mais bon, ça fait chier, quoi. Comme toujours, YouTube, pénible à son, hein, franchement. Voilà, tu passes du temps à chercher des solutions et là il n'y a pas de solution, il y a juste à attendre que eux aient fait leur taf quoi. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas. Je comprends pas, parce que normalement si elle est bonne, elle est bonne, si elle est pas bonne, elle est pas bonne, mais ça dure allez, une heure grand max quoi. Et là je sais pas, il y a peut-être eu un bug, j'en sais rien, j'espère que je vais pouvoir la mettre en ligne. Des fois ça m'est déjà arrivé une fois, qu'il a fallu la re-uploader une fois et on verra bien si on peut la mettre en ligne ou pas. Mais bon là elle est déjà en retard. La semaine dernière j'ai uploadé deux fois la même vidéo. C'est compliqué hein. Pour ceux qui croient que YouTube c'est simple, faire deux vidéos par semaine de une heure. Et ben c'est compliqué et ça prend énormément de temps. Mais bon c'est pas grave, c'est qu'on veut bien. Allez balou, donc là ben, je retourne de dépôt et puis après coupure de dos, douche. Et demain on repart pour le 56.